Good morgen, allez, yiden, les tu sois aujourd'hui. Elohim Nishmat Richaron, ben fortune mazal, Claude Israël, ben fortune mazal, et Moshe Michael, ben Gilbert Machlouf, et Aline Bachla Rachel. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions Maser Hatsuka, Perek He, Mishnah Zain. Bishlosha, Parkim Bashana, Ayukol Amishmarot Shavot, Be Mureya Regalim, ou Be Chilouk Lechem Panim. בעצרת אומרים לו, אילך מצה ואילך חמץ. משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידין. נדרים ונדבות ושאר קורבנות ציבור, הוא מקריב את הכל. יום טוב סמוך לשבת. בין מלפניה, בין מלאחריה, היו כל המשמרות שוות, בחילוק לחם הפנים. Depuis déjà la Mishnah précédente, et maintenant, jusqu'à la fin du chapitre, en fait, jusqu'à la fin de Maserhet, on traite dans Souka du partage des avodot du Beth Amikdash selon les familles des Kohanim. Soit il y avait 24 familles de Kohanim qui se relayaient chacun sa semaine à tour de rôle. Alors maintenant, dans notre Mishnah, on va s'intéresser de l'interaction entre les fêtes, la fête et le tour de la semaine. C'est-à-dire, on a dit chacun sa semaine. Du quand c'est la semaine de, il y a plusieurs mishpachot, plusieurs familles. Il y a Daya, il y a eu comme ça, il y a eu Yariv. Et chacun, on a déjà évoqué même quelquefois, dans plusieurs certains déjà, on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Donc il y avait plusieurs familles. Chacun sa semaine. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'une famille commence à travailler, puis après en plein milieu, il y a les fêtes. Lorsque c'est les fêtes, alors c'est tous les Kohanim, toutes les familles, 24 familles qui montent toutes au Beth Amikdash. Tout le peuple d'Israël qui monte au Beth Amikdash. Et les 24 familles de Kohanim, ils vont servir au Beth Amikdash, ils vont faire la vodot. Mais ils vont faire la vodot que celles qui sont relatives à la fête. Ils ont le droit de partager, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, comment est-ce qu'ils se partageaient tous les korbanot des fêtes, parce que toutes les familles qui montaient recevaient un korban. On avait vu dans la Mishnah, vous vous rappelez, avec les parim, elim, kvasim, pendant Sukkot, il y en avait plein de korbanot. Comment est-ce qu'il s'est partagé? Il s'est partagé plus ou moins équitablement entre toutes les 24 familles. Dans notre Mishnah, maintenant, on va s'intéresser aux autres travaux de... Concrètement, qu'est-ce que les Kohanim qui venaient, les autres familles qui venaient au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire ou de ne pas faire? En deux mots, je vous dis tout de suite, c'est simple. Les korbanot qui sont fixes en rapport avec les jours et pas en rapport avec les jours de fête, alors ça, ce sera la part des Kohanim qui sont de service, d'accord, la famille qui c'est son tour, puis les corbanotes relatifs à la fête spécifiquement, ils vont se les partager, il y a quelques sortes, on va les évoquer, c'est plus ou moins ça avec une petite différence pour le Chavim Panim, comme ce qu'on va voir tout de suite. Bishlosha Parakim Bashana, à trois périodes de l'année, Ayukol Mishmarot Shavot, toutes les Mishmarot, toutes les gardes, c'est-à-dire tous les services, toutes les familles, qui étaient de service, eh bien, ils étaient tous équitables, ils se partageaient tout ce qu'il y avait au Beth Amikdash, par rapport au Be'emurea Regalim, par rapport aux graisses, littéralement, Be'emurea Regalim, par rapport au ce qui est au rituel relatif aux fêtes. Emure, ça vient du mot amour, Machane Emar Batura, pour tout ce qui est relatif aux fêtes, et aussi pour le Chiluk Lechem Panim, pour le partage du pain. J'explique un peu mieux. Le pain, les 12 pains qu'il y avait dans le Shulchan, c'était un service spécial, un rituel spécial au Shabbat. Toutes les semaines, il y avait le rituel. On apportait 12 nouveaux pains, on remplaçait les nouveaux pains, et on prenait les anciens pains. Les anciens pains, ils étaient partagés entre les Kohanim qui les mangeaient. Et donc maintenant, si vous faites attention, il y a deux choses. J'ai évoqué le rituel du pain, comment le faire pour apporter le nouveau, retirer l'ancien, prendre les deux kaf, aller faire monter la Chelbona aussi sur le Mizbéar, ça, c'est la Avoda, et puis après, il y a le partage. La Mishnah nous dit, par rapport au partage du pain, pendant la fête, toutes les Mishmarot se partagent le pain. C'est-à-dire, ceux qui vont faire le service, c'est ceux qui sont, en ce moment, de service, que c'est leur tour de faire la Avoda. Ça, c'est pour la Avoda, pour le service lui-même, le rituel. Mais ensuite, une fois qu'on va partager le pain, on va le partager le pain avec toutes les familles qui sont venues au Beth Amikdash aujourd'hui. Les 24 familles, d'accord? Donc, je répète les deux choses. D'une part,
pour tous les korbanot relatifs à la fête, soit les moussafim qu'on a évoqués, et même pour la consommation du lechem apanim. Ce que la Mishnah appelle le chiluk lechem apanim, c'est qu'on le partage pour le consommer. Et donc on se retrouve que Ba'atseret, donc lorsqu'arrive une fête de Shavuot qui tombe avec un même jour de Shabbat, et bien on est en une situation, on va dire comme ça, Omrim lo, Elach matzah velach hametz. On va dire au Kohanim, à chaque fois on va dire, tiens un bout de matzah, tiens un bout de hametz. C'est-à-dire le matzah c'est par rapport au lechem apanim, les 12 pains qu'on faisait entre Bet HaMikdash, là pour le Shabbat, c'était 12 pains qui étaient matzah. Même s'ils étaient très épais, ils n'avaient pas fermenté. À la différence du pain de Shavuot, avec les shlamim, là-bas les shlamim chagiga, eh bien c'est du pain chametz. Et donc après on va partager tous les pains de Shabbat et les pains de Shavuot, on va les partager avec tous les kohanim, et donc du coup on va dire à chaque kohen, tiens un bout de matzah et un bout de chametz. Un bout de matzah du lechem apanim, un bout de chametz du pain des deux pains de Shavuot. Quelle est l'insistance de notre Mishnah? La Mishnah vient me dire, tu sais, on fait un partage exact de chaque chose qu'il y a à consommer. Il y a du pain, on partage le pain. Il y a de la matzah, on partage du pain. Mais on ne peut pas dire, tiens, prends un morceau plus conséquent de matzah et laisse à ton copain un morceau plus conséquent de chametz. Non. Donc, chacun doit recevoir un petit bout de chaque. Donc, ok, de chaque espèce. Après, Mishmar Shezmano Kavua, maintenant. La famille. La Mishmar, c'est la garde. C'est la famille qui est de garde. Chez Zmano Kavua, donc qui est de garde en théorie dans cette semaine-là. Humakriv Tmidin, c'est lui qui va apporter les korbanot Tamid. C'est-à-dire le korbanot relatif à chaque jour. Toi, Yedaya, quand c'était il y a 3 semaines, c'était ton tour. Toi, personne venait t'embêter et te dire je veux faire moi à ta place. Et ben maintenant, c'est à moi mon tour. Moi qui suis famille de Yeo Yariv. C'est ma famille maintenant qui est de service. Tu viens pas faire le korban tamid à ma place. Idem pour les nedarim ou nedavot, ushar korbanot sibur aussi pour tous les vœux et tous les dons. Les gens qui cumulaient toute l'année des korbanot chez eux, et puis après ils venaient monter au Batamigdash, et c'était l'occasion de faire tous les korbanot. Tous les nedarim ou nedavot appartenaient à la famille qui était de garde. Ok? Ils n'étaient pas apportés pour la fête. Je déduis là que c'est pas précisé, je l'ai pas vu, je l'ai un peu cherché, mais je l'ai pas vraiment vu. C'est toutes les Shalmi Chagiga. Apparemment, ils se partageaient entre les familles des Kohanim. Là, on parle pas des Shalmi Chagiga, on parle des Nedarim ou Nedavot. Shinadru venadvu kol hashana veviyum baregel. Comme c'est dit le Martenora. Ouais, il y a deux sortes de Nedarim ou Nedavot. Il y a les Nedarim ou Nedavot, que chacun il a été sauvé, il a fait un accident, il s'en est bien sorti, il apporte un Korban Toda. Il apportera le korban toda, à qui va le donner? À la famille qui est de service. Quelque chose qui n'est pas précisé, c'est ma question, quoi. C'est pas assez dit. Mais si toutefois, maintenant, moi, qui vais monter à Yerushalayim, je dois apporter des shalmi chagiga, olat reiya, des korbanot qu'on a besoin de courir, qu'on arrivera dans le sechat chagiga, qui sont relatifs à la fête. Je déduis, je pense que ce sera toutes les kohanim qui sont égales dans le droit de les offrir ces korbanot. Ensuite, donc, Umakriv et Tumidin, Nedarim Nedavot, Ushar Korbanot Sibur, et aussi tous les autres Korbanot Sibur. C'est quoi les autres Korbanot Sibur? Ça vient impliquer les autres Korbanot Sibur, ça vient impliquer les si toutefois il y avait un khatat de parelem d'Avar Shel Tzibur, alors là, d'accord, un Korban qui est public, mais pas relatif à la saison, à la fête. Par exemple, si tout le peuple d'Israël, le Bédine s'est trompé dans une halakha, ils nous ont permis à Shabbat de faire quelque chose, mais on réalise que c'est interdit de la Torah, il y a un korban public à apporter. Un korban, une khatat publique, par Elem Davar Shel Tzibur. Là, c'est qui fera ce korban, puisque ce n'est pas relatif à la période, ce n'est pas relatif au fait de Tishrei, au fait de Nissan, mais n'importe quel moment de l'année où on réalise qu'on a fait une erreur, il faudra réparer le tir, il faudra apporter ce korban. Qui apportera ce korban? La famille qui est de garde. D'accord? Vechen aussi, et aussi au Makir et Akol, c'est lui qui offre tous les autres korbanot, à inclure aussi toutes sortes de le Ketsa Misbehar, des sortes de korbanot qu'on faisait monter sur le Misbehar pour occuper le feu. D'accord. Yom Tov Asamuch le Shabbat, Ben Mil Lefanea, Ben Mil Acharea. Maintenant, le Mishnah m'enseigne une chose. On avait dit que pour le Lechem Apanim, la consommation du pain,
de Shabbat, pendant la fête, tout le monde est égal dedans, tout le monde reçoit un morceau, toutes les familles. La Mishnah maintenant va m'enseigner même mieux que ça. Imaginez une fête qui va démarrer à la sortie de Shabbat, mais que tous les Kohanim, d'accord, samedi soir va tomber Yom Tov de Pessah, de Sukkot. Tous les Kohanim vont monter à Yerushalayim. Quand ils vont monter à Yerushalayim, ils vont monter depuis le vendredi après-midi. Parce qu'ils n'auront pas le temps de venir ensuite. De Shabbat, on passe à Yom Tov. Ils ne vont pas venir au milieu, donc ils sont posés de venir depuis avant Shabbat. Puisqu'il y en a avant Shabbat, la Mishnah va m'enseigner qu'ils devront partager équitablement de nouveau le pain entre toutes les familles de Kohanim qui sont restées présentes, qui sont en ce moment arrivées au Beth Hamikdash. Et idem aussi, si ça se produit après, que Yom Tov va se finir un vendredi, le dernier Yom Tov, et le lendemain, même si c'est devenu un jour de Chol, mais le Kohanim n'avait matériellement pas la possibilité d'entrer chez eux, donc ils se partageront le Lechem Panim. Et la Mishnah me dit ça comme ça. Yom Tov Asamoch le Shabbat. Un Yom Tov qui tombe proche du Shabbat, c'est-à-dire qu'il est collé, il tombe le vendredi. C'est Yom Tov. Excusez-moi. Il tombe le Motsé Shabbat, le dimanche. À la sortie de Shabbat, donc il s'avère que le Shabbat, on bascule directement dans le Yom Tov. Ben Milefanea, Ben Milacharea, qu'il s'agisse du Shabbat qui tombe avant la fête, ou bien juste après la fête, quand la fête se finit le vendredi, et qu'après on rentre dans le Shabbat, eh bien, Ayukol Amishmarot Shavot Bechiluk Lechem Apanim, toutes les familles des Kohanim qui étaient, les 24 familles qui étaient en montée Yerushalayim pour les fêtes, eh bien, pourront recevoir un morceau du Lechem Apanim lorsqu'on va le consommer. Ils ne pourront pas faire la voda, c'est la semaine, comme on dit, c'est la famille qui est de garde cette semaine. Mais par contre, pour se partager la consommation du pain, ils se le partageront équitablement entre toutes les familles des Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selah.